Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la découverte d'un tout nouveau mode de jeu. Mais avant toute chose, je tiens à rappeler à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne de le faire, puisque vous êtes encore plus de la moitié à ne pas avoir cliqué sur le bouton rouge. Alors c'est plus que jamais le moment, n'hésitez pas. D'autant plus que très bientôt du très très lourd va arriver sur la chaîne. Et si des vidéos comme celle-ci avec la découverte de nouveaux concepts vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, ça me ferait vraiment super plaisir. Bref, aujourd'hui nous découvrons The Promised Neverland UHC. Déjà, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, The Promised Neverland UHC sera disponible sur mon serveur Pandora, et ce à la fin de l'été. Donc pour avoir davantage d'informations et vous tenir au courant des nouveautés qu'il y aura sur le serveur, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description. Pour l'heure, nous étions sur le serveur de la Rust Heroes, qui sont les créateurs du mode de jeu, et cette game a été réalisée avec vous, les membres de mon Discord. Donc si vous voulez participer aux games que j'organise, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est également en description. Et vous allez le voir, ce nouveau mode de jeu réserve bien de surprises et de nouveautés. Déjà, comparé à tout ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment, nous sommes en équipe de 6. Mais ne vous en faites pas, il y aura quand même des rôles et vous pourrez incarner vos personnages préférés, comme Norman, Ray ou encore Emma. D'ailleurs, la grande particularité du mode de jeu est la composition des équipes. En effet, la composition des équipes n'est pas la même d'une équipe à l'autre. Certaines peuvent avoir un rôle en particulier et d'autres non. Tout est aléatoire. Ce qui est certain, c'est qu'au sein de chaque équipe, nous retrouverons 2 méchants et 4 enfants. Dans les méchants de l'équipe, nous aurons soit la mère, soit le démon. Et en rôle solo, il y aura soit la sœur, soit Hugo. Et chez les élèves, ça sera Norman ou Don, Ray ou Lucas, Emma ou Gilda, et enfin Connie ou Phil. Mais aujourd'hui, pour notre toute première partie sur le mode de jeu, nous allons incarner Isabella, la mère, une des méchantes de la partie. A la manière d'un Kira, je devrais gagner avec les autres mères de la partie que je pourrais connaître via un chat spécifique. Et en tant que mère, je pourrais localiser les enfants de mon équipe sans connaître leur identité grâce aux flèches situées au-dessus de la haute barre. Et une fois dans la partie, je pourrais utiliser la commande slash livrer avec le pseudo d'un enfant qui se trouvera dans un rayon de 10 blocs autour de moi qui me permettra de téléporter l'enfant à la surface à des coordonnées aléatoires. Pour ceux qui ont vu l'animé, vous n'êtes pas sans savoir que ces deux pouvoirs sont d'excellentes références. Cependant, attention, si jamais la sœur fait partie de la composition de notre équipe, elle pourra me remplacer. Ce qui signifie que c'est elle qui prendra la place de mère, et nos possibilités de victoire seront alors inversées. Je devrais gagner tout seul, et elle devra gagner avec les autres mères de la partie. Mais pour ce faire, encore faut-il que la sœur tue un des enfants devant moi, c'est-à-dire à moins de 15 blocs, sachant qu'elle connaît mon identité, mais pas moi. C'est pour cela que je pourrais être informé lorsque la sœur passe à l'attaque, via un message directement dans mon chat. Pour l'heure, il n'est même pas encore sûr que la sœur fasse partie de la composition de notre équipe. Mais vous l'avez compris, que ça soit pour ses rôles ou même tous ceux des enfants, il y a d'excellentes références à l'animé retranscrit au mieux dans Minecraft. Et je vous le dis, je pense que c'est un des modes de jeu les plus stratégiques auxquels j'ai pu jouer. De nombreuses nouvelles stratégies et mécaniques sont à découvrir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Déjà on va se servir de Zolene pour avoir l'enchant. 380 771. Ouais, je suis là, gros. Je viens tout juste de trouver une petite cave là. Non, non. Ah ouais? Dis-moi. Bah non, du coup. Mais non, je suis pas ça. Bah relis, frère, parce que. De quoi? Dans mon shop, j'ai vraiment la mère avec l'équipe. Faut qu'on joue ensemble, je peux gagner avec toi. Relis bien, En fait, si je tue un mec de team, un enfant, à côté de toi, je passe avec toi. Pas sûr de toutes tes infos là. Ah bah, j'en suis certain. Mais relis bien les mots là. En gros, si je tue un mec et dans un rayon de 15 blocs, t'es là. En fait, j'aurai une minute pour. Il a mal lu. Pour passer avec toi, quoi. Il a mal lu parce que c'est pas ça le truc, les gars. En gros, je dois gagner solo s'il fait ça après, non? Il est dans ton chat là, quoi. Frère, c'est marqué dans mon chat. T'as pas confiance, hein. Le truc, c'est que moi, seul, je pourrais jamais gagner. Donc, parle pas trop parce qu'ils vont arriver, les potes là. Ok, ok. Et tu sais très bien que j'ai 2 IQ pour bait, frère. Je fais jamais ça. Je fais jamais ça. Tiens aussi si tu veux. De quoi tu m'as passé quoi là? Difficile. Il a pas compris. En fait, il pense qu'en tuant quelqu'un, il va être avec moi. Mais en fait, il vole mon rôle. Et du coup, moi, je dois gagner solo. Et lui, gagne avec les mères. Oh, il est pas avec moi. Mais je m'en fous, hein, je vais jouer là-dessus. Hein. Je vais dire que c'est vrai et tout. Hein. Non, mais je vais me servir de lui pour tuer les autres, les gars. Je vais me servir de lui pour tuer les autres. Ou. Oh, IQ est mort, mec. Hein. Ah ouais. On les fume, hein.
Moi, faut juste que j'en tue un. Hein. Tu sais pas s'ils étaient en. Ensemble déjà? Qui était avec qui? Ouais, il était avec Nega et Swayze. C'est à ton ensemble, mec. Pourquoi y'a Swayze dans notre équipe? Pourquoi je te sens perplexe, mec? Si je dois tout avouer. Non, non, je parle à mon chat tranquille là, c'est toi. Non, mais je c'est bon, j'ai lu ton rôle donc c'est good. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais peur que tu me baites en te faisant passer par ce rôle en fait. Tu sais très bien que. Mais je sais pas, gros, tu sais, si t'as lu. Si t'as lu un peu les rôles et que tu te dis, ouais. Y'a une chance sur 5 pour qu'il soit merde, je le tente, tu vois. J'ai lu que mon rôle. Ok, ok. Et je l'ai bien lu. Normalement, c'est pour ça que je me suis dit, j'aurais pas tenté si j'avais tenté. Ok, ok. Non, mais je te crois, c'est bon. En gros, on va pas passer par 4 chemins, gros, je pense. Hein. Ah, on arrive, oui, évidemment. On leur parle un peu, manière. J'en isole un en haut. Vas-y. J'ai ça, moi. C'est trop fort, mec. Yo. C'est qui? Bienvenue, les gars. Vous êtes où? Ouais, viens là. Oui, évidemment. Ah, yeah, c'est fun. Bah ouais, mais moi j'y crois moyen parce que si tu veux avec Zoled on se save donc Ah bah je save négativement à 100%. Donc du moins. À 100%? Oui 100%. Genre 1 milliard de pourcent. Ouais 1 milliard 1000% même. Bah je sais pas, je connais pas tous les rôles donc peut-être que. Parce que là ça veut dire qu'il y a un mytho parmi vous deux là. Bah pas forcément dans la mesure où vous avez tué Bah écoute, regarde, hein, c'est moi qui save Nega et c'est moi j'étais en train de miner, il est venu moment où il y avait un demi-coeur, il est mort. Ouais mais ça c'est toi qui le dis, enfin j'en sais rien moi. Bah y'avait Nega qui peut témoigner et Slaze mais oui. Il est pas là. Moi je t'avoue, je vais attendre de savoir comment ça se passe parce que y'a eu un ou deux morts là. Ouais. Ok. On peut tous se save, si Slaze est méchant et Keiku était méchant. Oui mais ça on en sait rien, Keiku. Moi je sais pas, justement, vu Keiku est mort. Oui mais c'est possible. C'est moi je fais gaffe aux deux là. Est-ce que vous avez des XP les gars? C'est une galère là. Ouais, c'est toujours. Il est coupé, gars, est forcément méchant. Moi je suis forcément méchant? Bah vas-y, vas-y. C'est que comme. Normalement, Eku était normal. Parce que j'ai compris, pas avoir si, de s'il y a pas de Norman, y'a pas de. Mais t'as full bait, gros, y'aura pas de. Je pense pas, hein. Alors, en vrai, on peut remonter en vrai, non? Ouais, si vous voulez. Je pense que je vais remonter. Attends. Tu peux m'enchanter un livre s'il te plaît, Swayze? Tu veux quoi? Tiens, ici. Attends. Moi je remonte moi. Il faut un livre protection là. Vas-y. Tu veux un livre protection? Moi ouais. Mes pronostics c'est les. Vas-y, les gars, viens à côté de moi, vite fait en balle. Bon, t'inquiète. C'est quoi le bail là? Tu peux remonter hein, je suis en train de remonter. Allez, attends. Ok, j'arrive. Vas-y. Recule, gamin. Ça se passe des bails là, les gars, ou quoi là? Tu regardes comme ça là? Je sais pas, tu regardes aussi, toi, frère. Il se passe quoi, les gars? On est sous tension là. Eh, moi je remonte, frère. Les gars, mais on remonte. Il te l'a enchanté ton livre ou quoi? Prends la table, je te l'enchante en haut. Ouais, soit c'est 100% méchant, les gars. Je te l'enchante en haut. Oh là là, je suis venu pour enchanter un livre. Les gars, on est. Frère, on est mort là, tu sais, hein. Voilà. Genre, ouais. Parce que là tu te diriges bizarrement vers le plus, tu vois. Là, c'est vers le plus, là. Attends, mais c'est vrai qu'il y a lui aussi dans. Les gars, genre là, il nous a trouvé. Mais ça, c'est très bizarre. Bah, 380, 560. Ouais, y'a des couilles, hein. Ouais, laisse tomber. Là, c'est le plus. Donc sinon tu irais vers là. Oh, moi je vais vous dire ce que je pense hein, pour qu'en plus pour que Swayze dise ça, je vous le dis. Je pense que c'est la sœur Swayze et qui connaît l'identité de l'autre, c'est qui? De Slaze qui est mère et qui nous a rejoint, je sais pas comment. Voilà. Et moi je connais le rôle Swayze. Bah comment tu nous as rejoint, dis-moi. Je vous dis juste à la... Attends. À la base, je vais aller vers l'écho que t'as donné. C'est pas du tout là où on était. Je vous dis juste que Swayze c'est entre Colis et. T'as du gravier ou pas? Je le sais. Non, j'ai pas de gravier. Attends, bon, vas-y, et go avancer au zéro et on se fight. Ça. Oh les gars! Les gars! Ça se fight. Enfin, ça va se fight. Oh, ils sont que deux en vrai. Ils sont que deux.
Attends, donnez quelques autres infos là, c'est croustillant là. Parce que nous, on hésite entre Pega et Slaze. Ah bah sachez que Slaze est pas la mère, vous le prenez comme vous voulez quoi. Ah donc c'est la sœur quoi. Ah je sais pas. J'ai rien dit. Slaze, je t'explique, Zolone et Mireille. Ouais. Les gars, vous suivez ou pas? J'ai toujours 4 perles. Mais Ray, il voit pas les pseudos. Hein. Non, non, il voit pas les pseudos, c'est sûr. T'inquiète, mon ref. T'abonnerais pas. T'inquiète. Vous avez un arc ou pas? Tu sais où ils sont partis là? Ouais, voilà. Bah, du coup, c'est bien la mère, Slaze. Hein. Bah oui. Ah, bah il est mort. Frère, c'est pas du fort. Mais. Oh. Non, c'est le 0, c'est derrière. C'est derrière. Ah mais c'est Said. Ah il avait perdu là. Ah mais c'était un 9 hein, je pense. Hein. Ah ouais mais tu l'as pas suivi. Zolwen méchant, Zolwen méchant. Bah j'arrive. Les deux. Non non moi je suis pas méchant les gars, il attaque tout seul hein. J'arrive. Vas-y j'arrive. J'arrive. C'est légal méchant là. Ah là c'était une perle là. Pardon. Oh non. Mais c'est... J'ai perdu 4 cœurs. Ouais, je peux avoir un peu de cap ou pas, les gars? C'est parce que bon. Quoi, frère? Hein. Mais du coup, je pense que c'était Ray qui winait solo ou. Tu l'as TP? Ah ouais, tu surpasses. Ah bah, je. Ah ouais, j'ai oublié. J'ai un rôle monstrueux, je peux faire clic droit sur mon item et savoir que j'ai plus de mate. C'est nice en vrai. Hein. Bon, bref, putain, merde. Je croyais que t'allais me sortir un truc de fou là. Ah putain, tu sais qu'en vrai, je suis pas. Tu sais, pas avoir ça tué, je suis super sympa. Eh, hey, je vois ça, mais j'ai plus de gap en fait, frérot. Tu sais, mec, si là, sans faire exprès, je drop des gaps. En vrai, t'as combien de perles? J'en ai plus. Ah, derrière toi, mon ref. Y'a qui? Ah. Bon bah go team frère. Bah regarde derrière lui. Ah oui bah ouais. Il est sur dos lui. Ah oh, ouais. Ça va? T'as encore une gap? J'en ai plus frère moi donc faut que je fight. Les robes devriez pas vous fight, l'autre est bien stack hein. C'est vrai qu'il y a l'orange aussi en plus, enfin il y a les oranges. Les refs, on devrait juste, on est tous solo là. Ouais, j'ai plus de gap, moi, de toute manière, là, ça y est, c'est fini. T'as plus de gap. Ouais, là, j'en ai plus là. Putain, il me suit là. T'avais surtout le vert qui est passé devant toi, tu ne l'as pas tapé quoi. Hein. Non, bah, non, c'est un peu. Solo, bah, je suis solo aussi hein. Tu gagnes une gap, ouais. T'as raison, ouais. Fais gaffe, y'a un creeper. Ok, c'est bon. Mais fumez-le en fait, il a une cible. Bah, Power 3, ils ont un boost de l'arc, les Yugo. Ah, et s'ils font des double shots, nice, ils régènent. Hein. Ah, bah ça va, c'est pas trop fort. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, attends, frère, parce que. Il y a l'autre derrière là, voilà. Mais gros, t'as un full fer! Pourquoi tu viens sur moi? C'est grave! J'ai pas compris par contre Persiscas là, pourquoi il a pas bougé? Mais attends, c'est bugué ma mage. Je crois qu'il était délimité. Les gars, on a le droit de prendre. Je sais pas frère, mais je me prends tout le monde gros. En vrai, j'ai été unlucky, Pega, j'ai été délimité, du coup j'étais en train. Ah ouais, mais en fait, j'ai pas compris parce que tu buguais pas quoi, genre tu bougeais normal. Non, mais pas de soucis, t'inquiète. Pour ça, je comprenais pas. Attends, je vais peut-être retourner vers ma team. 22, moins 82, 74. Je suis là, les gars. Ah yo. Yo. On est bien. T'as 3 gaps? Ouais, j'avais 3. Tiens. Et moi, une. Tiens. Et tiens. Ah. Ouais. Enfin, une team. Il est descendu derrière. Oh putain. Tu vas où là? Ça se voit pas, mec. Fais gaffe, qu'on se tape pas tous là. Gaffe, ouais. Mais. Yes. Il tank combien de temps, frère? Yes. Mais c'est trop, frère, comme il tank. Mais bah, il a un goût et ça, c'est les rôles les plus cheat, donc c'est normal qu'il tank, hein, et il prend moins de dégâts. J'ai pas résisté. Vache. On meurt. Mec, j'ai power 3 infinity. Ouais, c'était sans l'arc. Je sais plus, t'as pas épée en diamant, j'ai. Ouais, vas-y, je viens. Allez, on l'a fait, hein, Zaytana. Là, vous avez win.
C'est pas sûr, en vrai, l'orange. Là, il y a l'orange là. Regardez, il y a des cerfs, il y a la main. Bon, pas rendez-vous. Il y a un arc. Ah ouais, toi, copain. Il doit un arc. Quand on voit apparemment, dire on joue à l'arc, frérot. Zelden, vous avez récupéré mon plastron ou pas? Mais je passe à un endroit, de toute façon. Vous avez le droit aux pièces du Hugo, donc je pense que c'est. Ah, je l'ai, ouais, je viens de le mettre, c'est bon. Bah, fais-toi plaisir, hein. Vous avez le droit aux pièces de solo que vous ramassez, ouais. J'en prends à l'arc, frérot. Ah, une interline. J'ai, mec. J'ai. Faut m'aider. Ouais, j'ai bien. Bah, t'as un, je suis content, je pense que tu l'ouvres. Ok. Les gars, j'ai deux cœurs, aide-moi. C'est vrai? Hé, j'ai deux cœurs, il y avait des rangs de côté là. Oh non, c'est moi qui s'est tué. Oh, mais tu, on se fait trop vite drop par contre. Non, non, vas-y, les sols. Oh, ouais, je peux vous aider, les gars. Vas-y. Ah non, attends. Léo, je mets si, t'as raison. Non, raison. On est bien, en fait. Non, t'as raison, je peux vous aider, les gars. Ouais, t'as raison, frère. T'as combien de gaps? J'en ai vraiment 3, quoi. Donc, t'inquiète pas. Hein. Je vais pas vous faire de mal. Hein. Frérot, Starkix. Là, ils sont là-bas, les derniers violets, viens. Viens. Pas les violets, viens. On y va. Ouais, bon, c'est que. Bah, tiens, frère, je te passe une gap, tiens. Viens nous aider. Ouais, c'était sûr. Désolé. De toute façon, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je devais arrêter. Allez. Je te connais assez. Il me connaît. Je vois tes vidéos, je sais que tu fais toujours ça. Ah merde. Merde, attends, j'ai laissé seul. Starkix. Non, mais tu lag trop, c'est impossible, c'est un peu. J'arrive, retourne-toi. Ouais. Mais c'est impossible, lag beaucoup. J'avoue que tu lag beaucoup, hein. Faut pas le lâcher en vrai. Ouais, c'est pas vrai, tu es du coup. Non, je te tue pas toi, t'es tout seul frère. En vrai, je te dis, le Bloodfire, je l'ai pas croisé, mais par contre, lui là, plus Said, ils sont vraiment stack. Bah super. Bah, je l'ai perdu, hein. Non, bon, vas-y, go next, on focus Said. Said. Fais gaffe, tu vas pas me tuer. La ouais, sœur, elle a force et T4. T'inquiète. T'es trop stack, Said. Parce que t'es trop stack et que tu m'as suivi pendant au moins 400 blocs tout à l'heure. Je risque pas de te lâcher, frère. Super. Mais j'ai un power. Oh, il fait trop mal. En vrai, j'ai envie d'y aller. Ouais, faut win. Vas-y, je te suis. Fight clash, j'ai plus de cap. Regarde, c'est ma dernière. Les gars, faut venir m'aider, hein. En vrai, faut pas tuer Sel, faut team la. Ouais, faut tuer Starkis. Il est trop bien en ville, il a fait au moins 5. Mais oui, il a 20 gars pour moi. Oui, mais j'en ai pas non plus en fait depuis le début, frérot, c'est ça que tu comprends pas. Pour ça qu'on voulait tuer. Bah, parce qu'on voulait récupérer des gaps avant de le fight, parce qu'il en a 15 lui. T'as plus de gap là, Pega? Non, j'en ai plus. Voilà, donne-moi une. Non, mais j'en ai une. C'est Obanay qui en a, donc. J'ai la boue trop. Voilà. On va les drop sur lui, les gars. Faut pas que j'aille. Mais il a beaucoup. Bon, bah, les gars, c'est sans moi le fight maintenant. Moi aussi, ah ouais, si, revenez, on y va à 3 coeurs. T'es one shot, les gars? Je suis à 3 coeurs. J'ai un coeur de plus. Donc quoi? Ouais, t'inquiète. Pardon. Oh mais non, mais. J'ai deux cœurs, t'inquiète. Bah vas-y, bah va le tuer, gros. Bah va les tuer, vas-y. Non, on a vraiment plus de gueule. C'est vraiment jouable, hein. Bah non, on te barre pas. Pardon. Oh. Il doit être one shot. Il est où? Oh non. Bon, il faut y aller. À l'épée, c'est encore pire. Mais y'a pas le choix, frère, y'a pas le choix, on peut pas le toucher. Je prends un coup, je suis mort. Mais il faut y aller, frère, y'a pas le choix. Allez, go. C'est bon. Y'a pas le choix, vas-y, viens.
Ah, il avait des gaps en plus. Ouais. Oh! Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag TPN. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo et également samedi pour une nouvelle vidéo en UHC. Jusque là, portez-vous bien. Je vous fais des bisous, c'était Pegaphile. À très bientôt, ciao ciao.